Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 245 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Enemy Mine. Enemy Mine qui est tout simplement un jeu de shoot'em up. Donc tout ce qui est plus classique, on va y jouer, c'est parti. Je sais pas combien de temps ça va durer, en tout cas j'ai commencé un peu à regarder à quoi ça ressemblait et c'est sympa. Il y a des trucs vachement sympas. Donc on va se faire le niveau 1, on va faire plusieurs niveaux. Donc voilà, j'ai des ennemis qui arrivent. Il n'y a pas trop d'histoire vite fait là, voilà, on a des vaisseaux, hein. C'est un shoot'em up. J'ai les ennemis, je vais prendre possession d'un vaisseau et on va tirer. Alors vous voyez que je peux prendre possession de n'importe quel vaisseau avec le bouton A, parce qu'en fait, du coup, je vais devoir tirer sur mes ennemis. On est d'accord, c'est mieux. Si par exemple lui, je veux prendre possession de lui, hop. Par contre, il a pas beaucoup de vie parce que je lui avais tiré à moitié dessus. Hop. Et je me sers donc de ces armes et donc de ces meilleures armes suivant le vaisseau que je prends. Et le but pour moi c'est de jamais mourir, on est d'accord hein. On est d'accord. Sachant que. Hop. Alors par contre je sais plus comment je me retourne. Il y a un bouton pour se retourner. Hop. Alors pour l'instant c'est tout simple. What's happened? Press A to continue. Et je crois que je vais avoir un boss dans pas longtemps. Restart wave. Ok, donc là je suis mort, c'est trop bien. Ok, voilà, donc je suis mauvais. C'est un shoot'em up où je suis mauvais. Hop, pour l'instant, ça va. Faut vraiment que je prenne la main là. Ils ont pas de munitions, ça, ils ont rien. Je pensais qu'on pourrait tirer avec eux. Mais pas du tout. Ok, donc là j'ai perdu. Comme une grosse merde. Alors, pour vous dire que quand j'ai essayé le jeu pas longtemps, j'ai gagné quand même. C'était pas... Et donc là, bah, je suis juste nul en fait. Voilà. Press A to capture. Et c'est parti. Peut-être qu'avec le clavier, parce que j'ai joué quand j'ai joué la première fois, j'étais au clavier. Peut-être que je suis mauvais hein. Pour viser, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai plus de munitions. Alors, vous avez vu aussi que l'effet d'une explosion entraîne aussi. Entraîne l'explosion de son copain à côté. Alors déjà, j'ai l'air d'être un peu meilleur. Ça a l'air aussi de modifier un peu mon vaisseau quand je fais des choses. Il y a des choses en fait. Qui ont l'air tout... Ah mais non, j'ai plus rien. Ok, donc je sais pas. Press R1 to return. Ok, donc j'ai trouvé comment retourner. Et il y a OK Google qui vient de se déclencher, je ne sais pas pourquoi. Hop là, on a récupéré un meilleur destroyer qui a un peu plus de vie. Ouh, j'ai passé le deuxième niveau. Enfin, la deuxième vague, du moins. Je sais pas s'il y a un boss. Non, j'ai pas dû aller jusque-là. Oh
Alors, qu'est-ce que c'est que ce bestiole-là? C'est des balles qui vont, hop, en plusieurs sens. Enfin, qui font des zigzags. En tout cas, je trouve l'univers vachement sympa. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce jeu? Ça réagit bien. Les graphismes sont sympas. Il n'y a pas de mauvaise surprise, en tout cas. Lui, il faut que je le prenne. Ouh, il est pour moi. Oh oh. Par contre, il est bientôt plus lui. Oh non! Je voulais prendre le contrôle, mais en fait, pour prendre le contrôle, c'est pas si évident que ça, en fait. Il vaut mieux être petit, des fois. Alors pareil, par contre, quand on récupère un bonhomme, je sais pas si on récupère aussi sa vie. Je me pose la question. Donc là, j'en ai détruit plein en même temps. Est-ce que j'ai gagné mon niveau? Oui. C'est parti. Il me dit quelle était mon arme favorite. Alors, je trouve ça vachement bien pour un shoot'em up, parce que tu peux prendre le contrôle de tes ennemis. Et ça, j'avais pas vu ça, enfin... Après, j'ai pas connu tant de jeux que ça, mais j'avais jamais connu un truc comme ça. Voilà. Moi, con, c'est quoi ça? J'en ai tiré plein pendant un moment. Extra life. Ok, donc j'ai une vie extraordinaire. Par contre, en fait, là, je vais être mauvais. Voilà. Donc, faut que je restarte à chaque fois et je crois bien que c'est mal barré. Faut vraiment que je fasse attention à la vie, faut changer de vaisseau assez souvent. Changer de vaisseau souvent. Oula, dis donc, je commence mal mon niveau avec un vaisseau à moitié pété. Allez, on s'en fait encore quelques-uns là. Je suis bien chaud bouillant. Oh non, un boss. Il y a une alarme qui se déclenche. Ça pue le boss de fou. Sauf que bah, j'ai un. Voilà, je suis mort par défaut tout seul. Voilà, donc je pense que je vais perdre 40 fois. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux que je... Ok, voilà. Voilà, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je sais pas si je peux continuer, mais si je continue, ça va recommencer. Ouais, non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant de recommencer. C'est pas intéressant. Bon, je refais juste un petit peu, histoire de voir si je peux m'améliorer. En fait, ouais, c'est juste dommage qu'on ait pas plus de vie sur les vaisseaux qu'on contrôle. Parce que du coup, ouais, faut changer très très souvent. Le boss, par contre, je trouve qu'il était totalement infaisable. Le mec, bah, tu te faisais au moins tirer deux balles dessus, donc
C'était un peu compliqué, quoi, je trouve. Après, le décor... Est-ce que j'avais envie de parler aussi un peu du décor? Voilà, donc j'ai perdu, je restart la wave encore, ça me saoule. On va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour du jeu, enfin, il y a d'autres niveaux, d'autres monstres, d'autres machins. Voilà, c'est un shoot'em up, il a sa particularité de pouvoir prendre le contrôle des adversaires, et d'ailleurs vous êtes un peu obligé de prendre le contrôle des adversaires, parce que sinon vous n'avez pas assez de vie. Du coup, je pense que si on est assez habile à faire ça, on peut, je pense, jouer bien longtemps. Moi, je suis très très nul au shoot'em up, comme vous avez vu, hein, je me fais tirer dessus assez rapidement. Je sais qu'il y en a qui, c'est des barjots, il y en a, ils passent à travers les balles, hein. À travers deux balles, tu sais, on se croit dans Matrix dans les jeux shoot'em up. Donc je pense qu'il y en a qui sont bien meilleurs. Voilà. Donc voilà, si vous aimez les jeux de shoot'em up, vous serez pas déçus. Moi, je le conseille, ce jeu est vraiment sympa. Il fait vieux et pourtant il est jeune. Et puis voilà ce que je veux en dire. Si vous avez aimé ce test, si vous l'avez aimé, putain, je parle vraiment trop vite aujourd'hui. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à me le dire, à commenter, à aimer, à pas aimer. Si vous l'avez aimé, surtout partagez, abonnez-vous, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !